Voilà. Oh my God, il y a un gars qui a dit fouetter un peu ou fouetter beaucoup. Que ça soit fouetter un peu ou beaucoup, c'est toujours le fouet, c'est toujours la bastonnade. Well, it's 7:33 already. How time flies. Well, that is a very lengthy topic. If we want to talk about it now, we're going to chop time off our press review. So I think we first of all do the press review, then we are going to comment later on about that particular element because it's very interesting. The different views were so wonderful. So Etienne, you have the floor. We do not have La Fleur. Non, René Nassis-Moto est non. He's not there today. Merci Sandrine pour cette belle passe que Pass. tu me fais, comme tu Oh, sais si bien le faire Adélia. encore ce matin. Bonjour à toi René Narcisse Moto. Bon, on va prendre, on va lire quelques-unes des canards parus à Douala ce matin, avec la complicité bien sûr de la réalisation. On va commencer par la nouvelle expression qui est en kiosque ce matin et qui titre en grande une « Zone anglophone, inquiétude et manœuvre autour du 11 février ». Au fur et à mesure que la date approche, les ministres impliqués dans l'organisation de la fête de la jeunesse redoutent le boycott avec des élèves et des enseignants qui traînent les pieds pour rentrer à l'école. En page 10, vous avez donc l'information dans la nouvelle expression. La nouvelle expression qui ce matin nous amène également du côté de Cribier de Douala, des vagues dans les ports, des nominations qui font jaser sur la laborieuse sortie de crise entre les Français de Nécotrans et les Camerounais de KPMO. En page 10 toujours, vous pourrez retrouver cela dans la nouvelle expression de ce jour. La nouvelle expression de ce jour nous ramène également en 1984, avec le putsch de 1984, deux sauveurs de billard s'affrontent. Chacun soutient avoir été celui qui avait déjoué par les ondes le coup d'État qui avait failli emporter l'homme du renouveau. En page 9, dans la nouvelle expression de ce jour, vous pourrez lire l'info, la nouvelle expression, en sa page 7, qui nous parle encore de la CAN 2017, les Lions au Palais de l'Unité. Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers seront reçus ce mercredi par le couple présidentiel. Les Lions qui barrent la grande une ce matin du journal Repère, Repère qui est dans les kiosques ce matin, et titre héroïque simplement avec en grande affiche, vous avez les Lions indomptables qui soulèvent bien sûr le trophée continental de football. Héroïque simplement, voilà le mot choisi par le journal Repère pour barrer la grande une de ce jour. Diplomatie, l'ambassade du Cameroun à Rome en cessation de paiement arriéré de loyer et de salaire des personnels administratifs. Samol, la situation perdure, à lire donc dans le journal Repère de ce jour. À la suite du journal Repère, on va découvrir la grande une du quotidien de l'économie qui est en kiosque ce matin et qui nous parle de régulation. Le quotidien de l'économie nous parle de régulation. Le Minpostel met en demeure 22 opérateurs des télécoms. Selon un communiqué de la Minpostel Minette Liban Lilikin, les entreprises du secteur détentrice de titres transitoires ont jusqu'au 14 février 2017 pour déposer auprès de ces services des demandes de titres formels. À lire donc dans le quotidien de l'économie parution de ce jour, qui nous propose également sa page 3, un entretien qui nous parle d'entretien routier avec le coup de colère de Nganou Djoumessi, qui vient d'annuler tous les contrats inopérants dans le département de l'Océan. Pourquoi et comment? À lire en page 3 dans le quotidien de l'économie de ce jour, qui nous parle également du lendemain de la CAN en 2017, les Lions indomptables honorés au palais de l'Unité, en sa page 9. Tout un article là-dessus. Allons-y du côté du Grand Nord Cameroun, retrouver le journal de Guiba Gatama, L'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, qui titre en éducation de base Gouna, l'école publique de la honte. Et une photo qui illustre ces propos que vous pourrez retrouver à la page 9 et déjà en grande une, Gouna, l'école publique de la honte. En page 9, l'article contenu
dans l'œil du Sahel, parution de ce jour. L'œil du Sahel qui en s'empare aujourd'hui nous amène du côté de Ngaoundéré, des pathologies de la saison sèche. On en parle en page 8 dans l'œil du Sahel de ce jour. Darwa Kamtel se défend de licenciement abusif en page 10. Dans l'œil du Sahel, le journal de Guéba et Gatama nous fait un article là-dessus ce matin. Il ne coûte que 400 francs dans les kiosques, vous pourrez donc l'avoir. Le soir, le trait hebdomadaire également nous parle de gouvernement Yang 3, c'est sacrifié des médias. On est avec le journal Le Soir, le trait hebdomadaire qui titre en grande une « Gouvernement Yang 3 ». C'est sacrifier des médias, alors que les rumeurs au sujet du futur remaniement ministériel court. Certains membres du gouvernement sont victimes d'un lynchage médiatique. En page 3, Le Soir nous en dit plus là-dessus. Et puis à sa page 5, Baba Amadou Dampoulo, l'opérateur du business camerounais. Tout un article là-dessus à lire donc en page 5. Le Soir, le trait hebdomadaire nous amène également du côté de Bolova où s'effectue la rentrée culturelle et artistique nationale en apothéose. Le ministre Narcisse Moelle-Combi fixe le cap de l'année culturelle et artistique 2017 au Cameroun. À lire donc en page 6 et même en page 7 du trait hebdomadaire Le Soir, parution de ce jour. Le Cameroun Matin également est en cause que ce matin et nous amène plutôt du côté du Gabon. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, le père du Gabon émergent. C'est la grande titraille de votre journal Le Cameroun Matin de ce matin. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, le père du Gabon émergent. Pourquoi et comment? Allez-y donc le savoir en prenant le numéro du Cameroun Matin de ce jour et allez donc à la page 4. Épargne et développement du Gabon, Jean-Claude Kameni, DG de Edge, parle en page 6 et 7. On parle également des victimes du crash d'hélicoptère de Bogo, les hommages de Paul Biya aux quatre officiers décédés en page 3. Vous pourrez donc retrouver l'article. L'œil du cyclone plus est en kiosque ce matin, le bimensuel d'information générale. Titre sur la crise anglophone, un casse-tête pour le gouvernement. Plusieurs pistes de solutions évoquées. Parachèvement du processus de décentralisation à travers l'organisation des élections régionales. Important changement à la tête du Sénat ou du comité central du RDPC. Création de nouvelles communautés urbaines. Redéploiement dans la préfectorale des communautés urbaines à la magistrature. Sans oublier les très attendues réformes du système éducatif camerounais. En page 3, plus en précision là-dessus. On parle également de dépotage, une taxe qui divise. Pourquoi et comment? À lire donc en page 4 ce matin dans l'œil du cyclone plus le bimensuel d'information générale. Les microfinances, une grossière escroquerie protégée par l'État, s'interroge. L'œil du Sahel, l'œil du cyclone ce matin, autant pour moi. Donc en page 8, vous pourrez lire peut-être quelques pistes de solutions face à ces microfinances qui pourraient être considérées comme une grossière escroquerie protégée par l'État. Eh bien, l'œil du cyclone plus s'interroge sur la question ce matin pour vous. On va simplement finir ce matin cette revue avec ce journal, voilà, on a terminé pour la revue de ce matin. On vous donne donc rendez-vous demain, 7h30, pour une autre édition de la revue La Presse. Vivement que René Narcisse Moto soit bel et bien présent là pour la revue de La Presse. C'est tout pour les journaux ce matin. Sandrine, pourquoi ce sourire? Well, it was pretty fast. I myself, I got confused at a certain point. I did not understand what was happening. It was pretty fast, but then thank you very much for that. And why I hope do you put then? No, thank you. Thank why you. Why then? Because I was confused, actually. But thank you very much for that. And Gilbert, we think Narcisse is going to give him a mark. Yeah. He's going to give him a mark on 10. But it was a job well done. Thank you. And after that, we're going to talk about some pretty interesting things, okay, as the show unfolds. But at this particular juncture, we are first of all going to take on a beautiful musical interlude. Et je vous laisse le choix de la chanson.
You know, nowadays, people have the tendency, or they are fond of saying, that it is very difficult to see a lady in, c'est quoi on appelle généralement les kabangondo. You know, people say that it is very difficult. And we have a wonderful Cameroonian artist who did a song about that, and he says, les bons gars sont rares, comme les jeunes filles en kabangondo, dansent en kabangondo. He goes by the name Tenor. Luyamo. Yes, he goes by the name Tenor, and he's also the artist who did Dulo Dap under Trois Cassoulet, Dulo Dap. But today, beaucoup de passion en tout cas. Because I like what he does. But today we are not putting a cap on the song Dulo Dap. We are instead going to take you guys to watch this beautiful piece which he actually just released. Yeah, that was 2016 ending. Yeah, towards the end of the year. And it is out already. It's been out for a long time now. But I think we just want you guys to have a beautiful taste of it again this morning. You can see I'm all in my kabangondo. Donc les bons gars ne sont pas rares pour moi. Parce que j'aime mon kabangondo. Et je suis là. Un bon gars, je ne suis pas rare. Yes, of course. So, Tenor Kabangondo, all for your listening and dancing pleasure.